Le manuel Alouette, CE1. La lecture. La page 60, l'unité 6, les Schtroumpfs olympiques. C'est pas très bon, hein? Laisse. On va trouver autre chose. Voilà. Le son en hauteur. Je vais te trouver ce qu'il faut faire. Tu trouves bien ta distance. Tu t'élances. Et hop. Tu sautes. Attention. Sans faire trouver la barre. Tu as vu? À toi. Tu as vu? Dis, tu as vu? Je n'ai pas fait schtroumpfer la barre. C'est bien, hein? C'est très bien. C'est très bien. Continue tout seul. Moi? Je dois me trouver aussi un peu des autres. Bon, assez rigolé. À présent, on va voir ce que vous pouvez trouver. Alors, mes chers, savez-vous quel est le type de ce texte ou bien de... oui, de ce texte, de ce genre de texte? C'est une bande dessinée. Très bien. Ce sont des bandes dessinées. Alors, regardez bien. Dans la bande dessinée, on trouve... Alors, la page entière s'appelle une planche. Ça s'appelle une planche. Alors, regardez. Cette image horizontale, on l'appelle une bande. Une bande. Et ce cadre, on l'appelle une vignette. Regardez, c'est une vignette. Une autre vignette. Voilà, ce sont des vignettes. Comptez avec moi pour savoir combien y a-t-il de vignettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Il y a 10 vignettes. Et dans chaque vignette, il y a des bulles. Regardez. C'est une bulle. Voilà une autre bulle. Alors, les bulles contiennent les paroles ou bien les pensées du personnage. Comptez avec moi le nombre de bulles. Alors, 1, 2, 3, 4. Voilà. Jusqu'à la fin. Alors, regardez ici. Il y a le son. Très bien. Alors, il y a les personnages qui sont en train de se rigoler ou bien de rire. Alors, ces bulles-là, on les appelle des onomatopées. Des onomatopées. Ce sont des mots qui imitent un son. Il constitue le bruitage de la bande dessinée. Tout le bruit qui se trouve dans les bandes dessinées, par exemple, si une porte claque, on fait claque, ou bien une bombe qui s'explose, etc. Alors, je vous rappelle, c'est une planche. Dans la planche, il y a des vignettes. Et dans chaque vignette, il y a des bulles. Regardez avec nous ici, on voit que le mot schtroumpfer se répète. Alors laisse, on va schtroumpfer autre chose. Alors ici, que veut dire avec le mot schtroumpfer? On peut le remplacer par on va faire autre chose ou bien on va jouer autre chose. Regardez bien, voilà le son en hauteur. Je vais te schtroumpfer ce qu'il faut faire.
On peut remplacer le verbe je trouve fait ici par montrer. Je vais te montrer ce qu'il faut faire. Dans cette vignette, la bulle et hop, tu sautes. Attention, sans faire je trouve fait la barre. Alors, avec quel verbe on peut remplacer je trouve fait ici? On peut le remplacer avec le verbe toucher. Alors, sans faire toucher la barre. Merci mes chers et à bientôt.